Voice Renew 103.0 FM. Benoît, bonsoir. Bonsoir Benoît. Il en lit. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bachir est parti. Donc. Benoît, bonsoir. Oui. Oui. Allô, bonsoir, Benoît. Bonsoir, président. Tu m'entends? Ouais, je te suis très bien. Je voulais simplement me faire planter le décor. Il faut que Bachir vienne nous dire des bonnes choses aussi. Tu as la parole. Je crois que tu as bien suivi tout ce que j'ai dit. Ceux qui viennent menacer les jeunes de Voice Radio. Nous, nous sommes un parti politique, on parle au nom de la République. Maintenant, le reste est là. On a un ministre directeur du cabinet civil qui a plusieurs décors. C'est pas le technicien, la technique qui nous permet d'être en direct dans cette émission. Je ne vais pas aller très loin. Je vais dire juste une chose. Il y a quelques temps, j'avais entendu sur une chaîne de télévision à Ben Zonga que Paul Biya, le président de la République, était un démon. Je n'ai pas entendu les amis de Samir Ondoayolo s'émouvoir. Au contraire, ils étaient heureux. Je vais dire à ces organes de contrôle qui a un but particulier. On ne fait pas la sélection. Dans certains pays, c'est automatique. Et je vous dis ce soir, Samuel Ondoayolo est un voleur. Un truand. Un bandit, précisez-moi. On ne dit pas Sima, on dit SCMAS, Société Civile Immobilière. Et je vais me permettre de vous lire un document. Monsieur le spécialiste, vous n'avez pas besoin de demander. Vous savez où les trouver. SCMAS, Société Civile Immobilière. Vendor Ayolo Samuel, capital de 2000 euros. Alors, je vais faire un petit cours. Je vais faire un petit cours de la SCI. Il y a deux écoles. L'école de ceux qui mettent un capital. Généralement, l'école des bandits. On met un capital de 2000 euros. L'école des gens honnêtes qui mettent la valeur des biens qui couvrent cette SCI. Monsieur Ondoayolo, vous êtes établi à Neuilly-sur-Seine. Vous savez combien coûte le mètre carré là-bas? Et il paraît même qu'il y a une résidence de l'ambassade de ce côté-là. Monsieur Ondoayolo, vous êtes allé à Saint-Maur-des-Fossés prendre le logement pour l'ambassadeur où aucun ambassadeur ne veut habiter. Parce qu'avec les bouchons, l'ambassadeur se retrouve à plus d'une heure du 16e arrondissement où se trouve l'ambassade. Dans votre SCMAS, les responsables du pays venaient habiter combien de milliards de francs CFA sont à l'intérieur de cette SCMAS? Monsieur Ondoayolo, je suis fils de fonctionnaire, ex-fonctionnaire. Vous avez pris l'argent là-bas. Vous avez pris cet argent pour réaliser des millions d'euros d'investissement en France pour un pays comme le Cameroun qui a à peine 60 ans. Vous êtes un voleur, j'assume. Vous êtes un truand. Venez me porter plainte, je vous attends. 103.0 FM. Cette SCMAS a été créée en novembre 2020. Bizarrement, comme Téléchute,
toujours avec des envoyés spéciaux. Vous n'êtes pas venu vous-même. Expliquez-moi comment Sylvie Bigné peut diriger SCI en vivant au Cameroun, puisque c'est celle que vous avez placée comme gérant. Et vous-même, vous avez ces postes administratifs à l'intérieur de cette SCI. Comment vous pouvez servir le cabinet civil en dirigeant une société immobilière en France? Vous êtes un parti. Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous ne faites pas peur. Essayez. Vous êtes fort au 237. Vous êtes faible ici. C'est pour ça que vous marchez la tête basse avec les casquettes. Pourquoi on ne vous reconnaisse pas? Parce que vous savez ce que vous faites. Vous avez honte de votre travail. Pourquoi vous marchez toujours en cachette? Vous êtes responsable. Dès que l'avion descend à Charles de Gaulle, vous portez vos bagages tout seul. Où sont vos hommes? Même le monsieur de l'ambassade qu'on appelle, vous, on envoie vous aider. Vous êtes petit. Même le ministre en France, quand il rentre chez lui, il prend le TGV. Avec tout le monde. Et de rien. Essayez au Cameroun. On réglera nos comptes ici à Paris, à Charles de Gaulle. Vous savez ce que vous avez organisé en 2018? Ah, c'est les patriotes. Je ne donnerai pas de nom. Vous êtes certaines filles répandent. Vous êtes assis à côté du président de la République. La SCI-SMA, c'est une réalité. Je demande au service de sécurité du Cameroun. Venez porter plainte. Vous saurez ce qu'il y a dedans. Vous saurez qui est cette pourriture assise à côté du chef de l'État. On n'a pas peur de vous. Ce que je voulais dire, président, pour l'instant. Bien. Voilà, je vous ai dit que ce soir, ça va aller très vite. Vous comprenez que parfois et très souvent, on utilise les institutions étatiques pour broyer le système politique du renouveau. Et très souvent, cela ne s'en rend compte qu'après qu'ils ont fauté. Et des fautes irréparables. Une radio comme Voice Radio, chaque Camerounais devrait venir donner 100 francs. Parce que ces jeunes ont le courage et c'est un corps de volontariat constitué. Donnez-moi le nom d'une institution de communication qui fait le même travail pour votre église. C'est pour ça que nous, le Parti républicain, s'est établi ici. Un président du parti qui part, un individu s'assied dans son bureau, lui dit que tu as dit quoi? Mais vous êtes terrible, hein? Vous êtes vraiment terrible. Le président national du RDPC, Paul Biya, part. Quand il dit, je sais qu'il y a les bandits à col blanc parmi vous. Un individu s'assied avec le nagra d'une radio qu'il a ramassé, je ne sais pas où. Il dit que j'ai entendu que vous avez dit ça. Vous savez ce que vous êtes en train de faire là? Vous violez la loi. Un président de parti politique a un statut légal, reconnu étatiquement d'une manière institutionnelle. Et il a le devoir de respecter son cahier de charges ainsi que l'État qui a bien de vouloir. On vous a dit qu'on crée un parti politique comme une association. Vous ne savez pas qu'il y a une enquête de moralité là-dedans? Vous savez comment on fait pour établir un parti politique? Vous pensez que vous allez dire à Benoît, un membre du comité central, ne parlez pas? Vous êtes qui? Les Mélenchon parlent à Paris. Les Trump, tout le monde parle. Parce qu'il faut que nous puissions accompagner les institutions. Et au même moment, nous sommes quand même les veilleurs institutionnels. Vous vous asseyez, vous faites vos choses, vous faites n'importe quoi. Mais c'est incroyable. Voilà alors votre Vondayolo.
défendez-le. Voilà votre Mondayolo. On a pire que ça. Mondayolo va aller en prison. Vous savez combien coûte le kilomètre de goudron? L'imboulablaise qu'il utilise. Vous savez ce que c'est? Parce qu'il faut bavarder. Il faut dire n'importe quoi pour faire plaisir. Incapable de défendre l'image du chef de l'État. Depuis que Mondayolo est là, est-ce qu'il est sorti un jour sur le plan médiatique? Il s'est assis comme Belinga Ibutu faisait souvent. Il s'assied devant un micro pour parler. Mais c'est incroyable ça! Voilà là où vous avez débouché. Il y a des choses compliquées. Et le chef d'État est au courant de tout ça. Donc vous pensez qu'on vient ici s'amuser? Quand on dit qu'il y a un coup d'État, prémédité, on sait d'où ça vient. Vous allez poser la question à l'État du Gabon? Vous allez poser la question à l'État guinéen? Vous savez ce que vous voulez faire là? Mais c'est incroyable. C'est une malédiction ça. Je veux continuer à lire quelques rudiments, j'appelle ça les lettres d'accusation, fondées sur le fait que ce monsieur est un prédateur. On n'a pas besoin de discuter avec lui. Il sait. Ça se discute pas. Voice Radio 103.0 FM. Vous avez dit que Mondayolo n'a pas une double nationalité. Sa femme est française. Quand vous vous mariez à un Français, vous bénéficiez de quoi? Alors parlons comme au quartier. Parlons comme au quartier. Quand vous allez épouser une femme qui a un autre statut d'origine, d'origine, est-ce que vous bénéficiez de cela, oui ou non? Président, Madame Mondayolo n'est pas française d'origine. Oui, tu disais? Elle est née à Saint-Bélima, elle est camerounaise. Elle a été naturalisée. Très bien. Alors, quand on est naturalisé, disons, vous venez vous marier avec un Français, avec un Camerounais, est-ce qu'il ne bénéficie pas du cadre marital? Donc, quand vous ne savez pas ce que vous dites, essayez de dire à vos amis au quartier vraiment que nous ne voulons pas. Monsieur Mondayolo peut devenir français. Très bien. Pour celui qui va renoncer à sa nationalité camerounaise. Très bien. Le Cameroun ne connaît pas la double nationalité. Tous les ministres qui sont de nationalité étrangère, vous avez violé la constitution du Cameroun. Vous êtes des ministres illégaux parce que vous n'êtes pas camerounais. Donc vous avez fait le faux pour avoir les documents officiels du Cameroun. Puisque vous n'êtes pas camerounais, vous avez une nationalité étrangère. C'est la loi. C'est marqué dans la Constitution. Je te laisse continuer, président. Bon. Vous voyez que nous avons une domiciliation des documents. Je vais faire une petite parenthèse d'une minute. Oui. Si on va fouiller
lors des dernières législatives et municipales au Cameroun, vous savez combien de noms camerounais sont conseillers municipaux ou députés? Ouais. Avant de venir regarder vos radios, demandez au conseil constitutionnel de fouiller les documents qui ont été déposés et de vérifier la nationalité de nos élus. Les non-camerounais ne peuvent pas être élus au Cameroun. Le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Si vous ne voulez pas faire ce travail, on le fera pour vous et on le mettra sur la place publique. Présent, je te laisse continuer. Très bien. Vous comprenez que Avona Ayolo, ton contrat de société dont tu as dit, nous étions en train de publier seulement le CABIS, on le lit. Je peux vous donner le nombre de pages que ce contrat. Hein. Ce contrat qui représente, je vous l'ai dit, cette substitution de paradis fiscal qui représente les intérêts des prédateurs, tels madame et vous, a été signé, fait à Paris le 10-11-2020 par le représentant Jobet. Qui pense qu'il n'est pas dans le viseur du chef de l'État. Je te donne cette information ce soir, tu es dans son viseur. Il faut continuer, comme vous aimez souvent entendre, l'imposture et le mensonge. Vous savez, c'est quand quelqu'un prend de l'âge qui réfléchit bien, hein, il a le temps de s'asseoir et vous regarde. Je veux lire un paramètre dans ton contrat pour que tu comprennes que tu es un homme bizarre et tu ne peux pas raconter une histoire. Vous aimez prendre souvent des risques terribles. Et ces risques-là que vous prenez souvent, parfois, je vous regarde et dis, mais est-ce que ces gens mieux même? Nous sommes dans un pays où on sait comment tu dors, c'est comment tu te lèves. Et le voisin te regarde et te dit, bon, okay. Vous allez bien? Vous ne comprenez pas pourquoi il vous dit bien. Tout ce qui se passe là, les gragales, les gens qui quittent les scènes de l'Assemblée, qui vont dans les histoires, vous ne pouvez rien organiser. Parce que, un, vous êtes des poltrons, deux, vous êtes des fémans, vous racontez des histoires. L'argent qui sortait à l'époque du cabinet civil, c'est fini. Non justifié. Vous comprenez que une société ne peut pas fonctionner avec 2000 euros. Vous comprenez, non? Combien gagne même celui qui est gardien seulement? Celui qui est là, qui attend seulement, qui a reçu des courriers, gagne combien? Vous comprenez que c'est un paradis fiscal. Voilà comment ils ont fait la dividende. Origine des biens apportés. Les sommes ci-dessus apportées proviennent de la communauté existant entre monsieur et madame Vondo Ayolo. Article 7. Capital social, part sociale. Le capital social est fixé à la somme de 2000 euros. Il est divisé en 200 parts sociales de 10 euros. Chacune attribuée aux associés. Savoir
Monsieur Mvondo Ayolo, 100 parts numérotées de 1 à 10. Il est un homme d'affaires, il est agent immobilier, il est tout. Il a l'Africa Foot, il décide, il est à Dijon, il est tout. Pourquoi on ne parlait pas de Issam? L'Institut Samuel Mvondo Ayolo, Samuel Ayolo Mvondo. Il fallait parler de ça aussi. Vous ne parlez pas des terrains, des acquis. Madame Vondo Ayolo, 100 parts de 10 euros. Présent, 100 parts de 10 euros voilà. Seront revalorisés à la fin en fonction de la valeur réelle des biens qui se trouvent dans cette SCI. Très bien. On peut passer de 10 euros à 100 000 euros, voire plus, en fonction de la valeur des biens. Ils n'ont que deux. Il faut qu'on comprenne bien. Tout ça, c'est du bluff. Vous comprenez. Je demande au service, venez expertiser la valeur réelle de cette masse. Vous trouverez en valeur monétaire le nombre de parts, le nombre réel, du moins l'argent réel dont bénéficie Samuel Mvondo Ayolo dans cette SCI. Et on parle de Neuchâtel, quartier des Bobos à Paris. Tous ces fortunés sont là-bas, y compris le président Nicolas Sarkozy. Ah, le voisin du président Nicolas Sarkozy, c'est Talba Mala. On ne parle pas. C'est Talba Mala. Ils sont voisins, c'est la barrière. La région parisienne. Les fleurs qui les séparent. On parle de Neuchâtel. Oui, président. Donc, vous comprenez que le Parti républicain fait son travail. J'interviens comme le président du Parti républicain. Ça ne souffre d'aucune contestation. C'est ce que nous faisons comme travail. On respecte notre cahier de charge. Et personne ne peut nous empêcher. Nous allons faire le travail. J'interviens comme membre du Parti républicain. Voilà. C'est tout. Président du Parti républicain en France. Voilà. Vous avez suivi, non? Voilà. Alors, si vous voulez me chercher les poux sur la tête, commencez à aller chercher sur la tête de Cabra Libi, qui a insulté les institutions de la République à Genève. Vous n'avez pas pris les bandes. C'était le Conseil constitutionnel d'une machine à donner les résultats. C'est-à-dire, ce n'est pas les résultats réels sortis des urnes. C'est le Conseil constitutionnel qui dit, bon, on va donner, comme il a dit M. Cabra Libi, on lui a donné 6%. Voilà. Vous avez dit. C'est ici, le même Cabra Libi, sur les mêmes antennes, qui a insulté la direction de la sécurité présidentielle. Même le chef de l'État. Qui allait défendre un journaliste contre les gardes du corps du président de la République. Qui a insulté la DGR. Qui a insulté la garde présidentielle. Vous n'avez rien dit. Parce que vous l'avez coopté. Vous lui avez offert 1 million de salaire par mois, alors qu'il a déposé un faux dossier au Conseil constitutionnel. Allez d'abord, je suis le pouce sur la tête de Cabra Libi, et je ne dirai pas plus de Maurice Kamto, avant de venir chercher les poux sur la tête des Républicains. Notamment le rendez-vous d'Obala avec un secrétaire général. Et un ministre. Cabra Libi, on peut en parler ? J'ai pitié. Vous avez dit ici que les républicains parlent, il n'y a pas de suite. Aujourd'hui, Moutazé reconnaît la valeur. Voilà la correspondance, non ? Ayolo, tu avais dit qu'il n'y a pas de problème sur la ligne 94. Le chef de l'État a instruit. Il n'est pas encore mort sur Facebook. Et il a ressuscité sur WhatsApp. Votre ministre, lui-même, il a pris son bic. Il a dit sur haute instruction du chef de l'État. On demande que le personnel qui a touché des missions fictives vienne se faire entendre et se faire enregistrer pour la cause.
et la ligne 94 pour les investisseurs. Maintenant, alors, Issam, ainsi que, il y a une radio là qui est souvent à Moukolo, là où tu l'avais filmé là. C'était quoi là? Ah, tu vois? Hein? Ngakumga, c'est Ngakumga. NB1 a fermé boutique depuis qu'on a dit ici que c'est la ligne 94. Il dit que lui ne veut plus les problèmes. Mais on ferme la radio. Mais l'immeuble qui est là, tu vas nous rembourser. Nous, on ne peut pas venir porter l'immeuble qui est sur le terrain de famille. Voilà des gens qui disent qu'ils accompagnent le chef de l'État. Voilà la réalité. Alors, comment vous pouvez expliquer? Expliquez-nous comment ça se passe, puisque vous savez tout, vous connaissez tout. Ngakumga a bénéficié des armoiries de la ligne 94. Toutes les radios que vous entendez, les télévisions là à Douala, s'il y a 4, il y a 3 qui sont passés à la caisse. Et c'est eux qui sont rognes contre le régime, hein. Je peux aller plus loin. Vous utilisez ces gens pour piéger des honorables, des personnes qui font le travail. Et le vrai travail. Ayolo a les médias qui gèrent étant à Yaoundé. Mais ces médias sont des médias mendiants. Parce que dès que tu n'as pas vendu le terrain de l'État, parce que vous là, tout ce que tu as fait avec vous là, j'ai les documents. Tu vas faire comment? Ben, RFO TV. Monsieur, ça vous dit quelque chose? Comment tu vas faire? Les émissions commandées avec l'animateur Maga. Vous avez oublié? Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on se dit? Vous voulez que on continue à verser l'eau dans la rue? La chaussée risque d'être claire, glissante et beaucoup de victimes. Il faut faire attention. Le Parti républicain est une chambre d'archives. Faites attention. Ayolo, tu ne connais pas vous là. Ayolo, tu n'es pas le conseiller et le patron des Tofis. Je peux m'aller plus loin. Je peux sortir les SMS. Je peux lire entre Eto et toi. Tu as vu que je t'ai dit que je suis formé. Hein? Tu ne peux pas maîtriser. Est-ce que tu pourrais imaginer que j'ai ce genre de truc? Je te regarde, je ris. Celui qui t'a dit de te tromper, que tu as cherché le secours, il t'a trompé. Il t'a trompé. Vondo Ayolo, tu as un beau frère. Je veux te dire là où il est en ce moment-ci. Le frère de Sylvie, ton épouse. Mais je ne comprends pas. On te dit de te calmer, que tu attends le jour de la paix de Menon, tu dis que tu gesticules. Mais tu seras à la bonne place, ne t'ennuie pas. Il s'appelle Gabriel Ono Essono. J'ai dit, je donne les numéros maintenant. Comme ça, les gens vont appeler, leur demander, est-ce que ce que le président Baon l'a dit là, c'est vrai? Gabriel Ono est le frère de Sylvie Ayolo, son épouse, la fugitive. 103.0 FM.
Gaël Onoessono, son numéro de téléphone, c'est plus 358 46 635 453 3. Je reprends. Je vous donne pour que vous débrouillez avec eux là-bas. C'est des prédateurs. 358 46 63 54 33. La semaine dernière, il était à Kinshasa. Il se retrouve à Londres où sa sœur prétend partir ces jours-ci. Parce qu'elle est à Paris en ce moment. De temps en temps, il peut faire un tour à Helsinki. Allez voir ses factures au Hilton Hotel. Il est également promoteur de Shakin Africa, qui est un paradis fiscal spécialisé à la prédation des caisses publiques à travers les prestations des artistes. Sam Bendé ne va pas me dire qu'il ne le connaît pas, parce que Sam Bendé est mangé dans tous les ateliers, juste ceux qui mangent aussi là-bas. C'est pour ça que tu attends, je m'en vais chez eux. Et d'ailleurs, Sam Bendé vient de bouffer l'argent des artistes. Voilà. Monsieur Sam Bendé, les 1 milliard 200 millions donnés pour les artistes. J'entendais Beko, ça te dit qu'il n'y a que 820 000 euros. Et Camille Briand, 120 000 francs CFA. Et Camille Briand, 1 million 126 000 francs CFA. Le monument de la musique camerounaise. Et il est en pleine maladie, hein. Et Matt Zambo, qui a eu des miettes. Mais je sens Mende, vous pouvez passer l'argent des artistes camerounais. On sait que vous êtes l'ami principal de Jean-Pierre Mourouvelina. Il vous a donné ses méthodes. Bande de petits voleurs. Voilà. Vous voyez que vous, quand vous venez secouer la boîte d'archives du Parti républicain, les membres du comité central, tout le monde sort. Il y a d'autres du Japon qui menacent parler des choses compliquées. On a dit on va aller étape par étape pour que les AVC ne se suivent pas. Ayolo, tu oses parler? Non, tu as gâté tout. Ayolo, tu as envoyé il y a quelques jours un journaliste qui est dans un média au lieu dit Deido en Centrafrique. Il était en mission. Tu veux que je donne son nom? Il est président d'un parti politique. Mais qu'est-ce que vous gêne ici quand je commence? Tu veux que je donne son nom? Et celui qui a géré leur réception, c'est Amoukou Beringa. Tu veux que je parle? Si tu veux, je parle. Je te surveille, je t'ai dit que je te surveille. Il faut la fermer. Il faut vraiment la fermer. 103.0 FM. Amou Beringa a fermé sa bouche, il a dit j'attends. Il porte son jean, il se débrouille. Il voit déjà la quatrième dose. Il dit que. Hein, vraiment, je préfère m'établir dessus. Ça va me faire 4 repas par jour, c'est bon. N'est-ce pas, voilà la ligne. Vous avez dit que le chef d'État est malade. Il ne pense à rien. N'est-ce pas, voilà la lettre maintenant qu'on dit que non. Sortez-nous tout ce que vous avez mangé. Nous, on sait qu'on fait confiance au Parti républicain. Voilà. C'est encore une histoire à dormir debout. Là, maintenant, vous n'avez pas observé. Vous ne pouvez pas dire que bravo à ceux qui travaillent pour le pays comme le Parti républicain. Vraiment. C'est du n'importe quoi. Voilà autant de choses qui créent ce qu'on appelle de temps en temps des différends.
Et moi, ça me met tellement mal à l'aise que, à un moment, on se pose des questions. Mais qu'est-ce que les gens s'ils veulent même planter? C'est des jeunes qui réfléchissent comme ça. Ce n'est pas normal. Voilà. Cette imposture dont vous voulez. Les gens viennent, ils posent des actes, ils estiment qu'on ne doit pas parler. Vous créez les écoles de machin et les universités dans les rigoles. Parce que la ligne 94, n'est-ce pas, vous avez dit que le président de la République ne va pas demander des comptes. Maintenant qu'il a demandé des comptes, on fait comment? Il y a Issam. Quand on veut courir, on va, je fais un tour là-bas. Tu es le voisin de Nkolo Fanga, l'ancien directeur ou l'ex-directeur des postes à l'époque du côté d'Oudia. Tu veux qu'on continue de parler? Dès que j'ai parlé de Ignace ici, tu as envoyé vite la nouvelle que non, on va arranger. Tu vas arranger quoi? Petit frère, il ne va rien te donner. C'est un prédateur. Gonga, Ayolo ne peut rien te donner. C'est des conneries. C'est parce qu'il sent qu'il est sous la pression du président Baola. Voilà, il sent. Il te fait rêver. Il t'a mis en prison. Parce qu'il a utilisé la justice de Beringa. Il fait des choses, il vient faire le trafic d'influence. Bon, le ministre d'État est déjà au courant de ça. Le magistrat aussi, quoi. Il y a des choses. Parfois, je me mets à rire. Quand je le regarde souvent, il dit vraiment, le pays-ci, on aurait tout vu. À ce moment-ci, Bekolo, Sokaepe, il dit qu'il rentre au Cameroun, même s'il faut qu'on l'enferme, comme Amou Beringa. Un, il paye tous les loyers qu'il a consommés au niveau de l'immeuble Sokaepe. Deux, qui restitue tout son parc. Il ne veut même pas entendre. Que, mais l'affaire passe au tribunal tous les jours. Et lui, il sera arrêté alors que son affaire... Je dis à mon gouverneur Gaïa. Il dit qu'il va éteindre l'affaire. L'affaire passe au tribunal. Renvoi sur renvoi. La dernière fois, dans l'une de ses affaires, parce que c'est quelqu'un qui a pris l'affaire. On dit renvoyer pour convocation de l'incriminé. Après, il entend que on a notifié le dossier qui devait le notifier à Rems. Il dit quoi? Il dit amour, je préfère mourir cette fois-ci. Tu vas me restituer tout le parc. Ouais, c'est une histoire terrible. C'est une histoire vraiment terrible. Maintenant que à tout, on a jonglé, on lui dit bon. Tu nous as donné une partition de Vision Finance. On a pris des logements. À la montée de... a pris un truc. Il a Douala, partout. Maintenant, il dit que... Mais, restructuration, il fait le projet. Hein, il dit qu'il va réhabiliter... Voice Renew, 103.0 FM. C'est quelle convention, ça? Tu as vu l'argent là-haut? Ouais, c'est une histoire terrible. Quand je parle aujourd'hui de l'Afrique à foot, Eto, ses cheveux se dressent. Eto, je maîtrise tout ce que tu as fait avec Ayolo. Tu es un enfant. Tu pouvais savoir que je sais que tu avais Loé, Camille. Tu ne pouvais pas savoir. Et ce que je te dis là, Eto, si tu t'amuses, je vais étaler ton CV. Comment tu es parti du Cameroun et où tu as atterri. Comment tu es entré dans le club et le premier club dans lequel tu as joué. C'est ça, le fils aîné du chef de l'État, écrit, maîtrise et tout. Donc, je te regarde, je ris. Calme tes nerfs. Ton vrai patron, c'est Ayolo. Et ton parrain qui lutte contre la République, c'est IA. Ça ne souffre d'aucune contestation. Vous évoluez dans le bluff. En ce moment-ci, je te mets en défi, Eto. Tu ne peux pas aller en Russie. Tu ne peux pas. Je sais pourquoi je le dis. Je ne veux pas dire pourquoi. Je garde la rose.
Il y a deux pays dans lesquels tu ne peux pas aller. L'Italie et la Russie. Tu mets pied là-bas, ils vont, on va te trouver dans la cage. Voilà le grand neuf. Comment tu l'appelles souvent? Le grand neuf. Si c'est 6 ou c'est 0, c'est lui qui connaît l'affaire. Voilà des gens qui vous bluffent. Et vous prenez la tenue. Parfois, il arrive quelque part, les gens donnent les cafés. On donne le café à un bandit. Allez, parfois, je regarde, tu vois, je dis pas ça. Et toi, tu ne peux pas changer parce que tu es un boucataire. Tu ne peux pas. Fafap, tu ne peux pas. Dans le sang, tu ne peux pas. Bouka, tu ne peux pas. Je te maîtrise petit. Quand je disais là que c'est Ayolo, ton patron, il y a des choses que je ne veux pas lire sur moi ici. Il y a l'autre qui dit qu'il essaie c'est tout le temps, ma chère. Si je lis son CV, je te dis ce qu'il a fait. Même quand il est arrivé au Cameroun, c'est malheureux. Et c'est eux qui disent qu'ils sont liés à la famille. Qui vous a même dit ça? Vous trompez? Voilà. Maintenant, tu parles des choses. Hein? Tu es là, tu fais des choses. J'avais dit qu'on va chasser au Bambou. On fait la porte de sortie. Il a atterri déjà, il est déjà porte-parole de tout. Hein? Après, tu vas lui dire que bon, je n'ai rien à faire. Mais moment, tu te mets au quartier. Hein? Parce que vraiment, là, c'est grave. Je t'avais dit qu'on va te chasser. Parce que tu es incompétent, tu es inutile. Tu ne peux pas. Je t'avais dit que ça ne va pas durer. Ça, est-ce que ça va durer? Voilà la réalité. Voilà ceux qui ont entouré Eto. Tu l'as amené directement dans la marge de la destruction. Voilà. Oh, One All Machine, tout ça. Vos choses avec Sian là, ça va marcher. Ça peut pas marcher. Et le chef d'État est au courant de tout. Il vous regarde, il dit, bon, ok, je vous attends. Je vous attends. Voice Radio. Il va. Et toi, c'est un facteur. Et toi, arrive chez Babouchi. Tu veux que tu dises ce que tu as dit là-bas? Il dit que. Bon, écoutez, il y a le chapter, il y a un certain nombre de choses qu'on va organiser, il y a les entretiens du stade. Babouchi le regarde, il dit je suis pasteur, mais ça là, je ne peux pas avaler ça. Il dit aujourd'hui, tous ces gens te regardent, regarde comme à quoi tu ressembles. On te chasse même. Tu n'es pas reconnu officiellement sur la rampe. Le premier ministre regarde comme une. Tu es l'homme président de la FECAFOU. Regarde, pour une coupe locale, tu es là à côté. Même, pas, même les joueurs ne te disaient même pas. Même les joueurs ne disaient pas bonjour. Tout le monde le regardait comme un étranger. Il s'est mis à courir derrière le ministre que tu as insulté hier. Le ministre des Sports, tu cours pour lui dire bonjour. Parce que tu cherches une place pour aller au Qatar. Regarde d'où tu viens et regarde là où tu es arrivé. Je t'avais dit attention. Regarde là, le ridicule. Tous ceux qui t'ont dit non, vas-y, vas-y, ils t'ont abandonné. Même Jouta là, il va t'abandonner à bientôt. Tu vas voir, le navire là prend de l'eau et c'est grave. Voilà la réalité. Maintenant, quand j'ai crié, la ligne 94, je vais vous dire, en 2017, 2016, la ligne 94 a été créée par le feu Kodok. On l'appelait à l'époque la direction des programmes. C'est-à-dire, c'était une direction qui faisait la récolte d'informations, l'état de besoin et faisait ce qu'on appelle la redistribution en fonction des demandes et des lignes à supporter les dépenses. Pourquoi le ministre Kodok crée cela? Parce qu'on a pensé qu'il fallait un ministère de l'économie. Et ce ministère devait avoir un certain nombre de missions.
Et à l'époque, Kodok était dans quel ministère? Il était au ministère de l'Agriculture. Parce qu'il y a une direction de projet. Et cette direction de projet faisait beaucoup plus sur le plan artisanal de l'agriculture. Et quand tu allais là-bas avec ton ONG, ou bien tu allais là-bas avec ton association, hein, ou ta coopérative, on te donnait soit des semences, machin. Il est allé à la recherche des fonds. Pourquoi il est allé à la recherche des fonds? Kodok a travaillé à la BAT. Il a été responsable. Et les premières opérations se sont déclenchées là-bas. Quand les apports sont arrivés à travers les projets, la première domiciliation bancaire, c'était à la BISEC, qui était d'abord la BISIC. Les premières personnes qui ont eu cela, il y a un certain nombre de ministres, un certain nombre de Camerounais, dans leur projet d'agriculture. Cette affaire a commencé à se gâter quand Albert Ndiambé Moïse est arrivé avec les ONG. Il a fait ce qu'on appelle l'association des ONG des agriculteurs. Il a créé une coopérative à l'ancien immeuble qu'on appelait les Boukarous, en face des Boukarous, dans l'immeuble de la dame, je l'appelle la dame Châtelet. Cet immeuble était mitoyen, là où vous voyez aujourd'hui l'hôtel Djega. C'est là où il y avait la première coopérative de Albert Ndiambé Moïse. Ça veut dire qu'on parlait d'une coopérative d'agriculture. Ils recevaient les projets, les envoyaient au niveau du ministère, et le ministère faisait ce qu'on appelle des études pour qu'on puisse aider les agriculteurs. Vous venez d'où pour venir nous dire que vous maîtrisez mieux la ligne 94? Il y a plein de gens qui ont pris de l'argent à travers les affaires de l'électricité, là, les machins. On vous connaît. Vous savez pourquoi le chef t'a demandé? Parce que même dans sa propre région, il y a des prédateurs qui ont pris un certain nombre, hein, de projets qui ont été financés et qui n'ont jamais été réalisés. Vous comprenez un peu ça? Voilà la réalité. Et aujourd'hui, il demande des comptes parce que il a déjà l'information. Parce que quand lui vous dit que je vous demande, hein, les comptes, lui, il a déjà tout. Je suis le premier journaliste à dénoncer cela. Et j'ai dénoncé ça à l'époque de Fonin. Parce que Fonin avait créé ce qu'on appelle une association des femmes qui font dans l'agriculture. Elle prenait de l'argent, elle donnait ce qu'elle voulait. Et elle se cachait derrière le parti. Pour votre bonne gouverne, elle était même directeur de publication à l'époque de Ndiamba, le feu Ndiamba, maire de Kribi, quand il était DG. Chief Elouni a créé une association FAMA, de FAMA. Ils ont pris plein d'argent dans cette histoire. En créant des gens, on prenait les noms des gens, on dit non, tu es agriculteur, viens. On écrit, on prend ta carte d'identité. On dit que non, voilà les espaces. Les gens prenaient plein d'argent. C'est là où on a repensé cela. Quand on a repensé cela, on a maintenant créé, entre autres, l'économie et on a adjoint la direction des projets et des programmes. Vous êtes même arrivé quand là-bas? Jusqu'à vous connaissez tout. Vous savez tout. Vous savez comment vous allez faire. C'est des choses qu'il y a des gens qui se sont assis, ont pensé. J'ai été dans la régulation et l'assainissement de la direction de la solde avec le directeur Ndile. C'est nous qui avons lancé les premières opérations. Antilope. J'ai des documents où on me dit merci, vous avez bien rendu. Vous savez comment j'étais là-bas? J'étais un journaliste qui servait de relais d'information pour dire ça. Et c'est ça qu'on avait opéré l'opération d'assainissement, les premières opérations d'assainissement de fichiers SOLT. Parce qu'il y avait des gens qui touchaient des doubles bons de caisse.
quelqu'un quitte ici, il va avec un bon de caisse, il va au trésor public, il va à la trésorerie de Konsamba, l'autre va à Ebolo, va, l'autre va, et ils sont nombreux comme ça qui touchaient de l'argent. Même certains hommes d'affaires se faisaient des paiements 3-4 fois pour le même marché. C'est nous qui avons mis fin à cela. J'ai des publications même dessus. Nous sommes entrés dans l'opération opération coup de poing. Le premier téléphone, il y avait des gens qui avaient des téléphones, qui utilisaient le téléphone ici, 2, 3, 4, 5, 10 millions. Wamni, à l'époque, était à Intelcam. J'ai travaillé avec ces gens. Vous pensez que je me suis levé un matin pour connaître tout ce que je sais, je parle là. Wamni habitait à la montée de Kondengi. En bas, nous sommes allés l'enterrer. Parce que c'était des gens nobles. Et c'est comme ça que quand un tel Kam devient Kamtel, on crée une direction qu'on appelait DOU, la direction des opérations de la téléphonie, qui a été logée au ministère des Postes. Je ne comprends pas. Ne croyez pas que je me suis levé seulement un matin. J'ai des états de service. Le payage, c'est moi qui suis à l'origine, avec deux garçons, deux jeunes garçons. Nos premiers appareils ont été testés à la présidence. Le fils Andé, qui était le premier. À l'époque, il y avait une direction qu'on appelait, il était le ministre de la stabilisation. À l'arrière-plan de la présidence, c'est nous qui sommes allés. On a fait les premiers tests ici en Bankomo. J'ai encore ces appareils. Quand nous avons dit qu'on voulait gérer, l'État a dit nous ne pouvons pas gérer parce que c'était un projet costaud. On a dit ok, vous pouvez gérer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même au niveau des typons, ils n'arrivent pas. C'est comme ça que Pierre Titi, ils vont aller annexer. À la création de ce service de projet routier, et voilà, annexer ça à la direction du budget. Il y a des choses qu'on a faites. Ne croyez pas qu'on s'est levé un matin. Bon, vous venez parler maintenant. Oh, je connais, je suis à Mougou, je suis à Yolo. Tu as fait quoi? Tes états de service sont où? Ayolo, je veux te dire, si tu n'as jamais su, la direction de Sodecoton, à l'arrière-immeuble de IA, là on mentait aux gens que c'était l'immeuble d'Eto, en face du restaurant chinois. C'est nous qui avons engagé l'opération que je vais appeler Faragon pour lutter contre la contrebande qui était installée entre Maïdougouri et le Cameroun. Vous connaissez ce qu'on a fait dans ce pays? Posez la question à votre IA. C'est moi qui porte le projet. Je dis que non. Comme il y a l'histoire du coton là, il faut. Et pourquoi? Parce que c'était. Je travaille dans les projets depuis des années. J'ai une direction pour ça. Avec des expertises, on a des architectes, on a ceci, on a tout ça. On ne se lève pas un matin pour venir dire « Non, je suis directeur du cabinet civil, je suis le neveu du chef d'État, c'est fort !» Quand les gens viennent discuter, vous dites des choses, vous qui êtes là au Conseil national de la communication, si on vous dit que qui était un Val-Albert, vous savez qui s'appelle Val-Albert, dans le sud, il était où? Vous connaissez que c'est qui? Vous venez déterminer les membres de nos familles. Vous êtes qui? Vous sortez d'où? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Les gens arrivent hier, ils font le bruit, ils font du bruit. Vous dites que vous connaissez tout, machin. Moi, je connais là où mon père atterrissait avec le premier hélicoptère. C'était une mode de terre. J'ai les photos, j'ai tout. Je parle avec des documents. Une
mode de terre, sur hélicoptère, il atterrit comme ça. En bas, il y avait la passerelle, on buvait le vin de palme. En bas. Bon, mais quand il n'y avait pas de l'eau, c'est Scanwater. Moi, j'ai travaillé avec Scanwater. La direction était ici à Longkak. Mais je ne comprends pas. Vous voulez toujours qu'on vous fasse des ici, qu'on vous mette mal à l'aise? Oh, je suis l'ami de ceci, je suis le neveu de tel. Ça vous apporte quoi? Parce que vous voulez faire de la fémania, tromper les gens, faire peur aux Camerounais. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Voice Radio 103.0 FM. Vous avez humilié la famille présidentielle jusqu'en Europe. Jusqu'en Europe. Je connais des gens qui viennent travailler pour cette famille et humilient cette famille. Est-ce que c'est normal? Moi, je suis le fils aîné du chef d'État, donc je ne dis rien. Je dois me taire. Si je dis quelque chose, oh non, il gâte. Je gâte quoi? Donc, je ne dois pas protéger les miens. Vous, vous avez le droit, vous faites les discours, vous vous reconnaissez entre vous, vous faites les réunions chaque dimanche, chaque samedi. Moi, je n'ai rien à dire. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme vous pensez. Je vous mets en garde. Et sachez que le père là que vous voyez là, c'est le père de la nation. Il maîtrise tout. Il vous regarde et rit. Mais ça, vous avez dit qu'on va rien faire sur la ligne 94. Nous sommes où? Quand il vous demande déjà ce qu'il a l'info. Bavardage inutile. On vient défendre des gens qui ne sont incapables d'assurer l'entretien du cabinet civil. Tu es directeur du cabinet civil, tu ne sais même pas dire aux gens que balayer mon bureau. Et on vient de nous raconter des histoires à dormir debout. Parce qu'il faut, il faut animer. Mais ça, vous avez dit, j'ai des trucs ici de l'Africa Foot qui sont plus dangereux. C'est parce que l'équipe nationale est en train d'aller au Qatar que je respecte les instructions du chef de l'État, qui est le premier footballeur et le canevas gouvernemental. Sinon, je lisais des choses ici dangereuses dans le Qatar. Je connais comment les gens sont entrés. Je connais les petites portes que vous avez utilisées. Vous dites des choses et vous êtes incapable d'assumer. Il faut bavarder pour rien. Voilà. Un autre prédateur qui va casser 11 blocs. Il lutte contre 11 blocs de quartier, de chefs de quartier.